Haider Rachid. Merci beaucoup pour ce film à la fois immersif, politique et très important. Ma première question, même si vous avez commencé un peu à en parler pendant la présentation, est autour de la genèse du film, de comment vous avez rencontré votre acteur, de l'idée, comment, et est-ce que d'emblée vous aviez une envie comme ça de caméra très immersive, presque au travailler quelque chose de la VR qui est aussi quelque chose que vous avez utilisé dans un précédent film. Voilà. So thank you for this immersive, political and important film. What was the starting point of this project? How did you meet your actor? And did you already have this very immersive style in mind, almost in VR, which we know that you have used in the past? Thank you. The idea for the film arrived all together in a way, the concept of the film together with the title. I wanted to make a film that would portray this terrible journey in an immersive way as much as possible. I had made a documentary in 2016 called No Borders, which was a VR documentary that spoke about self-run reception centers in Italy, and during that time I had the opportunity to meet a lot of people who had traveled through the Mediterranean, and then I started reading about the Balkan route, and that really scared me. Alors, l'idée du film m'est arrivée en même temps que son titre, et je voulais faire la description de ce terrible voyage. Déjà en 2016, donc, j'avais fait un documentaire qui s'appelait No Borders et qui était effectivement en VR. Ça se passait dans un centre d'accueil en Italie de réfugiés. Et j'avais rencontré donc des gens qui avaient fait ce voyage en Méditerranée. Et là, quand j'ai lu entre-temps des articles sur cette route des Balkans, ça m'a extrêmement effrayée. So I had written a first draft of the script based on documents and articles and reports I'd read by human rights organizations. Then I had the opportunity to go to Bulgaria with one of our executive producers, Stefano Mutolo. We traveled there, we visited the border area, and we met with a lot of people who had traveled on the route. And then when I came back, Sonia Giannetto and I, my co-writer, rewrote the script because we found out that the situation in Bulgaria was actually much worse and much more worrying than what we had imagined previously. Alors, on avait écrit une première version du scénario, et puis ensuite, sur la base d'articles, de documentation, de reportages que j'avais vus, et qui sont documentés par des associations sur les droits humains. Et puis, on s'est rendu en Bulgarie, dans les zones frontalières, et on a rencontré des personnes qui avaient fait ce trajet. Et ensuite, donc, quand on est rentré en Italie avec Sonia, ma co-scénariste, au retour, on a réécrit le scénario parce qu'on s'est rendu compte que la situation là-bas était bien pire et encore plus inquiétante que ce qu'on avait écrit au départ. I would just want to add, Cannes was very instrumental actually in finding out about Adam because some colleagues, actually Daniele Bernabei, who is our VFX supervisor, was in Cannes 2 years ago, and I asked him to look for actors of Arab descent because that's what we were looking for. And he sent me a trailer for a short film that was in the short film corner. And I saw Adam in the trailer, and I was immediately really impressed by him, by his face. And, you know, I've been saying this quite a bit in the past few days. You know, it moved me and it interested me that he has a sort of a silent movie actor face. And that's, you know, what we were looking for, somebody who could carry the film without dialogue, you know, with small details and emotions.
Alors, Cannes a été un élément crucial hein, dans la découverte pour moi de mon acteur, parce que certains de mes collègues qui étaient à Cannes il y a 2 ans, dont la personne qui a supervisé les effets spéciaux sur ce film, m'a montré un trailer d'un court-métrage qui était au Short Film Corner à Cannes, et j'ai tout de suite été frappée par lui, par son visage. J'ai été extrêmement émue et je l'ai trouvé très intéressant parce que pour moi, il a cette qualité de film d'acteur de muet et qui lui permet de porter le film avec très peu de dialogue, simplement par des petits détails et dans l'émotion. Justement, Adam, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une, comme c'est un rôle muet, il y a quelque chose de l'ordre d'une très grande physicalité et du comment vous avez fait et pour vous emparer du rôle et pour arriver comme ça effectivement à déployer quelque chose de très physique et où en même temps on est complètement captivé par vous. So Adam, how did you work to make this role that was very physical? How did you work on that physicality of this role and to make it so captivating for us? Thank you. There's a brilliant stunt coach that coordinated the movement for the film, and I just threw myself at the film, and I've never done anything like this before. But my background is in theater and a little bit in dance, and so I tried to transfer some of those skills. But yeah, I still never climbed a tree before, and what you saw is what happened. I quite literally jumped, swung around the branch, and climbed the tree like Tarzan. And I didn't know I could do that. So that was great. And actually, like, I remember you having to say, like, you need to kind of calm down a little bit, because I really thought I was like a stunt man. I was like, oh, no, it's fine. Yeah, I can do it. Yeah, like, whatever. But you were like, no, I think you should, like, you know, let's be careful here so you don't die and kill yourself. But yeah, I mean, obviously, in preparation for the film, I spoke to one of my friends who had a similar experience, and he told me about his experience and the route that he took and what it was like seeing people witness all sorts of barbaric things when you're on the Balkan route. You know, there was times when my friend would come over and we would sleep, and in the middle of the night, he'd wake up with night terrors, screaming, still remembering some of the trauma from his experience. So, you know, I think the things that people experience stay with them for the rest of their lives and isn't something that they forget. So, Alors j'ai eu un coach hein, formidable avec qui on a tout coordonné. Je me suis vraiment, c'est vrai, jetée dans ce film corps et âme. Je viens aussi du théâtre et de la danse, donc je me suis servie aussi un petit peu de ça. Mais le fait est que je n'avais jamais grimpé à un arbre auparavant. Donc ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment ce que j'ai tenté. J'ai sauté et puis ensuite je me suis faufilée dans les branches, un peu comme Tarzan. Je ne savais pas que je savais faire ça. Et si bien qu'au bout d'un moment, Haider a été obligé de me dire de me calmer un petit peu parce que j'ai fini par me prendre pour un cascadeur. Il m'a demandé de faire attention pour éviter de me tuer sur le tournage. En termes de préparation aussi, j'ai discuté avec un de mes amis qui avait vécu une expérience similaire, qui avait fait un trajet comme ça similaire et qui a été témoin d'exactions assez barbares. Et parfois, quand il venait dormir chez moi, en pleine nuit, il se réveillait avec des terreurs nocturnes terribles parce que ce traumatisme, en fait, les poursuit, tous les gens qui ont vécu ça les poursuit toute leur vie. Et est-ce que d'emblée vous imaginez une caméra qui suive pendant tout le trajet Adam, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en parlant avec votre chef-op et aussi de votre expérience en réalité virtuelle? So did you imagine from the start that the camera would be on him all the time, or is it something that you talked with your DOP or through your experience in VR? It was something that was there from the beginning. I love close-ups and I love telling stories through actors' faces, and to me it was also a way of compressing, you know, the story around the character, and you know, in a way creating this claustrophobic sense that the film has, although it's, you know, in a very open space. And in a way, I have to say, you know, for sure, I can tell this from myself, you know, it was also a reaction after shooting VR, you know, because when you shoot VR, you lose control over the frame, you don't have a frame, and I missed that a lot. So, but I kept, you know,
everything that I'd learned in VR, especially with sound, you know, we wrote the script thinking about sound together with Sonia, and we tried to use sound as a narrative element. You know, many of the things that happen in the film are heard before they're seen, and in that sense, we also tried to draw inspiration from, you know, genre films, you know, thriller and horror films from the 70s, for example, where, you know, the monster is, if the less you see the monster, the more effective it is. So this was the idea, to always stay with him. And, you know, Jacopo, our DP, who also operated the camera, you know, he did an incredible job in being able to be there physically and creating a symbiotic relationship with Adam. And, you know, making sure that we followed Adam rather than the opposite. And it was very important, because especially if you shoot in such an amazing but really difficult location, you have to let, I feel, you know, nature guide you as well. So many times it was more about creating the right environment to let Adam really do his thing, and us following him, and try to, you know, make sure that we still got what we needed in terms of emotions and in terms of rhythm as well. Alors oui, c'était vraiment une idée, enfin c'était mon désir dès le départ, hein, d'être comme ça en immersion, d'être vraiment sur lui. Moi j'aime les gros plans, j'aime raconter une histoire à travers le visage, et ça me permettait aussi de compresser cette histoire, de la concentrer sur un seul acteur, et ça permet aussi d'accentuer cet effet, cette claustrophobie, même si on est dans un grand espace ouvert. J'ai aussi tourné ce film, j'ai voulu retourner au cinéma classique après mon expérience en VR, parce que ben, quand on tourne en VR, on perd un petit peu cette idée de l'image, du photogramme, et ça m'a manqué. Mais par contre, j'ai gardé ce que j'avais appris, avec notamment le travail sur le son qui devient un élément narratif à part entière, car très souvent dans le film, on entend des choses avant de les voir. Et je me suis aussi inspirée d'éléments du film de genre, des thrillers et surtout des films d'horreur des années 70, où moins on voit le monstre et plus ça fait de l'effet finalement. Le travail qu'on a fait avec mon chef opérateur était extraordinaire. Ce qu'il a fait, lui, il a réussi à être là physiquement pour suivre Adam au plus près. Et comme on tournait en décor naturel, dans un décor qui est très beau mais très difficile, c'était la nature aussi quelquefois qui servait de guide. Et le principal élément, c'était de donner à Adam le bon environnement pour qu'il puisse jouer et à partir de là, créer l'émotion. Y a-t-il des questions dans la salle, des micro-circules ? Il y en a une ici. Oui, il arrive tout de suite. Merci pour ce témoignage des épreuves que traversent les migrants aujourd'hui. C'est un film utile, mais je m'interroge, quel est l'intérêt de présenter un migrant comme un criminel ? Enfin, on voit rarement, me semble-t-il, un migrant assassiner un nationaliste, plutôt un milicien fasciste. Et c'est plutôt l'inverse, effectivement, qui est plutôt la norme, me semble-t-il. Thank you for this testimony about the ordeal of migrants. Why did you choose to have the character of Adam kill one of the nationalists? It's something that we debated while writing the script quite a lot. You know, we didn't want to characterize the character as good or bad. We wanted to play with the concept of empathy and stay on that line. And at the end of the day, the film really needed a structure, a thriller structure, to maintain a certain tension. To me, it's not about Kamal, Adam's character, being a criminal or not. It's really about him trying to survive. And at that point of the story, you know, it's hard to escape a situation like that. And we felt narratively that we needed to, in a way, turn the tables upside down. And what happens in the end, you know, is that he is aware of what he's done. And ultimately, the point of all of this is that anything could happen in a situation like this. When you're pushed to this extent, survival can bring you to anything. And him,
you know, attacking the migrant hunter is really out of survival. So for us, the theme was, why does Europe treat people in such a manner? Why does Europe push people in such a manner? Because a lot of the criminal activities of which sometimes immigrants are accused, you know, they don't necessarily come out of their own willingness, but, you know, circumstances sometimes cause these things. So for us, it was really important to stay on that really fine line of saying and asking the audience to come on the journey with Kamal and start asking, you know, wondering and asking questions and putting doubts about certain convictions. Alors, ça a été un grand débat entre nous à l'écriture. Nous, on ne voulait pas présenter le personnage comme bon ou mauvais particulièrement. On voulait rester sur l'empathie qu'on a pour ce personnage. Le film avait quand même besoin d'une structure, celle un peu d'un thriller, pour qu'on le suive, pour maintenir cette tension. Et pour moi, le problème n'est pas de savoir si c'est un criminel ou pas. C'est, en fait, quand il fait ce geste, c'est une question de survie. On s'est rendu compte que dans le déroulé de l'histoire, il était difficile d'échapper en fait, à cette situation. Et c'est une façon donc, de retourner un peu la table. Il a conscience de ce qu'il a fait. Mais tout peut arriver quand on se retrouve poussé dans des situations comme ça extrêmes. Le thème, pour moi, la survie peut nous faire quelquefois des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment pourquoi l'Europe traite les gens de cette manière et les pousse à ces extrémités. Parce que ce n'est pas du tout leur volonté au départ de faire ça, mais c'est parfois le fruit des circonstances. Et on a navigué cette ligne de crête du début à la fin. Et nous, on a envie que le spectateur se pose des questions. Au bout d'un moment, on demande au spectateur de se poser la question de ce qui amène à cela. Y a-t-il une autre question ? Ici. Oui, le micro arrive. Non, pour que tout le monde vous entende. Is it based on a true story, this non-nationalistic border patrol episode? Is it based on a true story? Alors, est-ce que les patrouilles de nationalistes bulgares sont existent réellement? What you saw in the film is based on reality. This happens every day, on not just on the Turkey-Bulgaria border, but on many borders. It is a wave that has taken place of migrant hunters, of people chasing after migrants. The front is that it's for political reasons. But the truth is that it's a huge business, you know, because people who arrive into Europe or who try to arrive into Europe have normally gathered money from their communities, they carry phones, you know, shoes. And what's happening at borders is that there's a really difficult situation, and sometimes there's a rivalry between corrupt border police and migrant hunters because it's a business, you know, it's money. A lot of the traffickers who traffic human beings and migrants are the same people who traffic drugs or other illegal activities. It's really all about money, and this is what, to be honest, disgusts me the most, and this is what drove us the most about making this film. And this is the shock that we had when we went to Bulgaria and we found out about these things. But again, the film is set there, but this happens throughout our continent. You know, it happens between Italy and France, it happens in our Mediterranean. In the UK. It happens in the UK, it happens in many places. So we wanted to make sure that everything we told in the film was based on reality. We traveled there, we spoke with a lot of people who went on that journey, we spoke with former public officials, human rights lawyers, to make sure that we had as close to reality, that we had information that was as close to reality as possible. Of course, it's an amalgamation of many stories, it's not a story about one character, but it was important to us to go for realism. And ultimately, this character represents, you know, thousands, hundreds of thousands of people who try to cross the border
every year. You know, it's an ongoing. Today there's somebody trying to cross the border. Tomorrow there will be somebody trying to cross the border. So it's something that is quite urgent, and I believe needs to be dealt with in an urgent manner, but not as an emergency, because it's a constant problem. Alors oui, tout ce que vous voyez dans le film est fondé sur une réalité, et une réalité qui arrive tous les jours et à toutes les frontières, pas seulement à la frontière turco-bulgare. Cette nouvelle tendance des chasseurs de migrants, qui officiellement se réclame de motifs politiques, mais en fait c'est un business. Parce que ceux qui essayent de traverser les frontières ont en général sur eux toutes les économies de toute une famille rassemblées, ont aussi quelquefois des téléphones, des chaussures sur eux qui peuvent coûter parfois cher, ou en tout cas des objets qui vont leur être, qui peuvent leur être pillés. Et donc il y a une situation de rivalité entre la police aux frontières et ses milices. Et il faut savoir que les passeurs sont aussi souvent également des trafiquants de drogue. Donc tout ça, c'est une question de gros sous, et c'est ça qui m'a écœurée et donné envie de faire ce film. Ça a été un choc quand on s'est rendu sur place. Le film est fait là-bas, mais en fait, ça concerne tout le continent européen, jusqu'au Royaume-Uni également. Et donc, c'est important pour nous que tout soit vrai. On a consulté des personnes qui travaillent au plus près, des avocats, des droits humains. Et oui, c'est un amalgame de plusieurs histoires, ça n'est pas une seule histoire, mais on a voulu tendre vers ce réalisme. Ce jeune homme représente des milliers de jeunes migrants qui essayent tous les ans et tous les jours. Aujourd'hui, il y en a sûrement qui sont en train d'essayer, demain, il y en aura d'autres qui sont en train d'essayer. Donc c'est une question absolument urgente qu'il ne faut pas traiter dans l'urgence, parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène récurrent et constant et qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci.